Yo les gens, yo le poteau, si vous puissiez pas dimanche, c'est pas une toute nouvelle vidéo. Bon, là il fait nuit, comme vous pouvez le voir, il est environ 20h. Alors je tourne la vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour regarder une histoire assez paranormale. Et bah, du coup, on commence, c'est parti. Alors, tout commence à sur Reddit. Ensuite, un mec aurait mis dans le côté creepy de Reddit, le côté un peu sombre de Reddit, un mot, et vous allez voir quoi. Et ça se passe avec sa webcam sur son téléphone portable. Ensuite, la personne aurait téléchargé une application pour le webcam pour voir s'il y avait personne devant sa porte. Et il entendait un bruit venant de devant sa porte. Du coup, ce qu'il a fait, il est allé voir et il a vu une personne devant sa porte. Et ça s'est passé environ hier soir. Du coup, ce qu'il a fait, il est allé ouvrir sa porte pour voir s'il était toujours là, la personne, pour voir si c'était une personne bourrée ou pas. Il a ouvert la porte et il n'y avait personne. Et soudain, sa webcam sonnait toujours, mais le bruit ne venait pas de dehors, mais de sa chambre. Ça fait comment déjà faire flipper là. Et soudain, le mec entendait une de ses fenêtres ouverte dans sa chambre. Et soudain, il a reçu une photo venant de sa webcam. Ça s'est passé il y a environ 50 secondes, du coup, c'est pas longtemps. Regardez la photo qu'il a reçue. Et il a reçu cette photo assez flippante. Et ce qu'il a fait, il a décidé de déménager loin de sa maison. Et bref, cette histoire se termine comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est comme mettez un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'était Bobby, c'est pas aimé. Ciao tout le monde.